cœur de ville. Nous sommes sur la place du marché de Liévin. Nous aurons comme invité aujourd'hui Monsieur le maire Laurent Duborge, Pépé Nomade qui fera le fil rouge avec moi. Et tout de suite, j'accueille Quentin Vanmer. Bonjour Quentin. Bonjour Valérie. Alors Quentin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu cet instrument de laquelle tu joues depuis quelques années maintenant? Alors je joue un instrument très particulier qui est le steel drum. Donc le steel drum vient des Caraïbes. Et c'est à la base c'est un bidon de pétrole, donc ça fait 5 ans que j'en joue et cet instrument est très particulier avec le son de l'île. Alors comment est venue cette passion? Parce que je sais que tu fais des percussions, c'est de la batterie, comment est venue cette passion du steel drum? Alors le steel drum, c'est comme la percussion, c'est mon papa qui m'a dit de jouer les instruments et très vite approché et aimé et j'en joue depuis que j'ai 6 ans la percussion. Et du coup on peut te retrouver un peu partout sur le territoire, on t'a vu avec les gilets jaunes d'ailleurs. Oui, je fais beaucoup de manifestations avec les gilets jaunes. Le 30 mai, je joue à l'Assemblée pour un trail. Et tu as joué aussi à Bollard avec ton sponsor l'Empereur, je crois. Oui, j'ai joué pour Monsieur l'Empereur qui est mon sponsor au stade Bollard. Alors, tu as sorti un CD il n'y a pas très longtemps. Je vous fais voir, Quentin, au steel drum et xylophone, ça s'appelle Florilège. D'autres projets, Quentin? En tête, pas encore, mais beaucoup de dates pour des mairies. Puis tu attends de vieillir et de nous faire encore de belles prestations. Je vais te laisser jouer, tu vas nous jouer quoi là? Je vais jouer Pedro Capo, j'ai joué. Bon, alors il sait tout de suite, mais en tout cas c'est un super morceau. Je vous laisse avec Quentin. Vamos fazer.
Merci à Quentin qu'on aura le plaisir de retrouver d'ici quelques petites minutes à la fin de cette émission. Bonjour monsieur le maire. Bonjour, comment allez-vous? Eh bien je vais très très bien et on va très très bien. Merci de nous recevoir ici en plein cœur du marché de Liévin, le marché très heureux de vous accueillir également. Du mercredi matin et puis juste à côté et en face du marché couvert. Exactement, il y a le marché effectivement hebdomadaire du mercredi matin et vous voyez... Il y a beaucoup de marchands et beaucoup également de personnes qui viennent acheter. Il y a ce marché effectivement ouvert, qui est ouvert quasiment tous les jours de la semaine. C'est un moment de rencontre et de partage, ce marché couvert. Oui, c'est le marché couvert tout comme le marché d'Anvers. C'est un moment important de l'animation de cette ville, de Liévin. Et c'est une longue tradition parce que le marché du mercredi matin de Liévin est réputé bien au-delà d'ailleurs des frontières de la ville de Liévin. Alors dans quelques minutes, on va faire connaissance un petit peu de vous, de votre carrière, et en tant que maire, et aussi en même temps de votre ville de Liévin. Mais nous avons un fil rouge dans ce cœur de ville. Nous allons tout de suite retrouver Valérie côté cuisine, il me semble, avec un invité de prestige. Oui, un invité de prestige, puisque j'accueille aujourd'hui, à la place de notre Vincent national, Pépé Lemas. Bonjour Pépé. Bonjour Valérie, c'est un plaisir. Ah, oh, ben moi aussi, c'est un grand plaisir parce que je t'adore. Un bisou parce que je t'adore. Elle fait bien à manger, elle est super gentille. Moi, je l'adore. Alors, on va préparer une petite recette sympathique. Une recette sympathique, alors, ce sera des boulettes de viande de porc des Hauts Pays, à porc extraordinaire nourri aux céréales et à la crème de lin, que je vais fourrer d'un petit fromage régional. On va le dire, c'est le fromage de Ronc, à la ferme du village qui. Là, dans la réputation on peut faire de la pousse pour nos artisans locaux. Ah, ben, les artisans locaux, il n'y a pas de problème. Et ben, c'est les jeunes, vous allez découvrir le joli beurre et c'est vraiment le joli rond, pardon, de la ferme du village. Ensuite, nous avons des fraises du marché, c'est des fraises de choc que j'ai pris en arrivant et des asperges. Alors, je vais vous faire une belle petite assiette, vous allez vous régaler. Savez-vous que les boulettes sont un des plats qui se mangent le plus en France et dans le monde? Eh bien, je ne savais pas, mais je viens de l'apprendre. Voilà. Alors, en tout cas, on aura tout au long, hein, le fil rouge tout au long de cette émission. Pépé et Valérie viendra vous voir de temps en temps, voir un petit peu où en est la recette. Oui, et puis on va apprendre plein de choses sur les marchés, sur d'autres choses que Pépé va bien nous donner, des petits secrets bien sympas. En tout cas, monsieur le maire, sur Liévin, vous êtes maire depuis combien de temps exactement? Eh bien, écoutez, je suis maire depuis 2013, puisque Jean-Pierre Cucheda a quitté un an avant le terme de son mandat, effectivement, de sa fonction de maire. Donc, je le suis devenu en 2013 sur le vote du conseil municipal de Liévin, et ensuite en 2014 sur le vote, là, cette fois-ci, des Liévinoises et des Liévinois. Alors, vous êtes né un 22 avril, hein, il y a quelques semaines. En tout cas, hein, un 22 avril, vous avez grandi à Liévin parce que vous avez été scolarisé, il me semble, tout votre parcours de scolarité à Liévin. Mais écoutez, je n'ai fait qu'une infidélité de 3 jours à Liévin, 3 ou 4 jours, puisque je suis né à Avion. À l'époque, il y avait une maternité à Avion et ma maman est allée accoucher à Avion. J'y suis donc resté 3 ou 4 jours, je ne sais plus, il faudra lui demander. Et par la suite, j'ai toujours vécu à Liévin et j'y suis bien évidemment ma scolarité en élémentaire, au collège, au lycée, à Liévin. À l'époque, il n'y avait pas d'université à Liévin, donc ensuite, je suis parti. Vous avez eu ma scolarité supérieure. Oui, c'est ça. Vous avez étudié un petit peu l'histoire et la géographie, c'est ça un peu? J'ai fait d'abord, effectivement, à Lille, de l'histoire et de la géographie. Et ensuite, je suis parti sur Paris, suivre des études d'aménagement et d'urbanisme. C'est ça, tout à fait. Paris 1er et Paris 8e, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Paris 1er, c'était la Sorbonne, et Paris 8e, c'était effectivement l'Institut français d'urbanisme. Alors, vous êtes maire de Liévin, mais vous avez aussi un mandat de vice-président? Je suis maire de Liévin, effectivement. Je suis conseiller départemental. Ça, c'est le mandat le plus ancien que j'ai obtenu. C'était en 2004. Et j'ai succédé à une grande dame bien connue de Liévinoise et des Liévinois, qui est Daniel Darras, qui malheureusement nous a quittés. Et je suis également vice-président de la comité d'agglomération de Lens-Liévin, en charge du développement économique. Combien d'habitants sur Liévin? Eh bien écoutez, aujourd'hui, selon le dernier recensement, hein, qui date du 1er janvier, puisque vous savez que désormais il y a un recensement chaque année, nous sommes à Liévin 31 337 habitants exactement, ce qui fait de cette commune de Liévin, depuis 2 ans simplement,
qui n'était jamais arrivé dans son histoire, tout simplement, la première ville de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et plus largement la première ville en termes de population de tout ce que l'on peut appeler le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Voilà, donc, et nous sommes la quatrième ville du Pas-de-Calais. Pour les téléspectateurs de Télé-Goël, présentez-nous en quelques mots votre ville. Écoutez, notre ville, vous en avez eu un exemple. D'abord, elle est entreprenante, c'est écrit un petit peu partout. Elle est entreprenante par nature, parce qu'il a fallu que cette ville, pour qu'elle continue de vivre, qu'elle continue de se développer, qu'elle entreprenne à tous les niveaux. Et ça ne date pas de moi, ça date de mes prédécesseurs. Je voudrais souligner le travail important qui a été réalisé à l'époque par Henri Darras et puis par Jean-Pierre Pucheda. N'oubliez jamais que ces villes minières étaient vouées, selon certains technocrates parisiens, en particulier un ingénieur des plombs et chaussées qui s'appelait M. Lacaze, qui dans un rapport en 1986, il concluait dans son rapport que compte tenu de la disparition de l'activité charbonnière, eh bien, les villes minières finalement pouvaient disparaître. Et l'on doit à ces élus de l'époque eh bien, d'avoir su résister, d'avoir su effectivement entreprendre des choses, d'avoir eu de l'ambition pour ce territoire, d'avoir dire que ce territoire devait résister, devait continuer de vivre et surtout continuer de se développer et d'avoir un avenir. Et donc effectivement, il a fallu entreprendre. Et donc cette ville de Lien est entreprenante par nature. Elle est jeune, vous l'avez vu, donc elle est forcément dynamique. On a vu le talent qui était celui de Quentin Vamer. C'est une ville qui a aussi beaucoup de mémoire, beaucoup de respect pour l'histoire et la mémoire qui est la sienne et on démontrera sans doute par la suite. Et puis voilà, c'est une ville qui se tourne aujourd'hui vers son avenir, vers l'avenir. L'avenir, et quand on pense à l'avenir, on pense aux Liévinoises et aux Liévinois. La question qui me vient à l'idée, quel est le rôle principal pour être un bon maire? Ça, vous savez, il faudrait être gonflé pour pouvoir répondre tout seul. Ce sont les Liévinoises et les Liévinois qui vont vous le dire. C'est quoi un bon maire? Donc chaque renouvellement de mandat, quelque part, c'est eux qui détiennent la vérité. Je vais juste vous répondre, qu'est-ce que j'essaye de faire pour être un bon maire? La première qualité, monsieur, je pense, pour être un bon maire, c'est de savoir être à l'écoute de l'ensemble de ses concitoyens, c'est-à-dire d'aller au-devant d'eux, de les écouter, au-delà de les écouter, de les comprendre. Je pense qu'ensuite, la deuxième, c'est donc pour ça qu'à Lima, nous développons beaucoup ce qu'on appelle la démocratie participative. Il y a des Facebook Live, comme on dit, il y a des cafés débats, des réunions de quartier, etc. Je vais à la rencontre des personnes qui me rendent à domicile régulièrement lorsqu'il y a des problèmes qui sont soulevés ici et là, dans les quartiers. Bref, voilà, aller au contact de la population. Et la deuxième qualité, je vais vous le dire, c'est pas toujours quelque chose que l'on rencontre toujours. Il faut savoir se remettre en question en permanence, ne pas avoir, excusez-moi, comme on dit, le melon, hein, et se dire que parfois on peut peut-être avoir raison, mais on peut aussi avoir tort. Et c'est pour ça qu'il faut aussi savoir toujours se remettre en question et se dire qu'il y a des choses sur lesquelles vous tenez peut-être le bon bout, mais il y a des choses sur lesquelles vous pouvez vous tromper. Et fort heureusement, et c'est là que c'est important d'avoir l'écoute des Liévinois et des Liévinoises, d'être à l'écoute et donc de voir. Thank you.
présenter. Que bon, vous avez retracé une partie, effectivement, mais bien retracé une partie de ce qu'est cette ville de Liévin. Donc je vous en félicite. Effectivement, l'exercice est très compliqué, hein, d'être synthétique et exhaustif. Donc c'est compliqué, mais bravo en tout cas pour ce reportage sympathique et qui montre une belle image de notre ville. En parlant de belle image, on va tout de suite aller retrouver Pépé et Val pour le début de la recette. Oui, on débute la recette. Alors Pépé, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de petites boulettes ? On prend du hachis pop, de pain comme ça, mais vous pouvez prendre de l'agneau, vous pouvez prendre du veau. Vous pouvez donc faire un mixage de porc et veau, agneau et bœuf également. Et vous allez prendre un petit morceau de hachis comme ça. Bon là j'en ai pris pour 800 grammes. J'ai autant à peu près j'ai le fromage de la ferme du village de Ronque. Je mets à l'intérieur justement de ma boulette un petit cœur de fromage que je roule, je sers bien, je n'ai mis aucun additif. Et puis je roule dans une chapelure que j'ai avec mon petit secret, mais je vais vous le délivrer, mis des petites épices dedans. Alors j'ai mis un petit peu de curry, j'ai mis un petit peu de curcuma,
j'ai mis un peu de poivre, du moulin, et un tout petit peu de sel, parce que le fromage étant déjà salé, et de précaution, on ne le sale pas trop, parce que le sel, on ne peut jamais retirer. Hein. Alors voilà, je vais poser mon micro dans la tour d'un PV pour faire les boulettes. C'est pour combien de personnes ça, Alexandre? Oh, bah pour, là, il y a 6 personnes. Voilà, alors on va préparer ça pour 6 personnes. Eh bon, avec grand plaisir, on va goûter cette belle recette de notre ami Pépé Lema qui est dans le cœur de ville, ici, sur Liévin. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Monsieur le maire, à côté de nous, on a la chance d'avoir Madame Lamoudi, présidente d'une association bien connue ici sur Liévin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'ici de cœur de ville. Vous êtes la présidente d'une association qui s'appelle Perles du Facieux. C'est quoi cette association ? Le Perles du Facieux, c'est une association à but humanitaire qui a été créée en 2005 pour venir en aide aux populations en situation précaire au Burkina Faso. Comment est venue cette idée de créer, parce qu'on a besoin justement là-bas, de quoi comme aide? Quand je suis arrivée en France en 2002, donc je recevais que de mauvaises nouvelles. On me disait telle personne est décédée, de mes amis dont ça me travaillait. Je réfléchissais comment trouver un moyen pour venir en aide pour toutes ces jeunes filles qui perdaient la vie. Donc on était trois, donc je suis allée voir deux de mes amis, toutes les deux qui s'appellent Isabelle. Donc on a commencé à réfléchir ensemble comment faire, créer une association pour venir en aide, pour trouver un moyen, qu'est-ce qu'on pouvait faire exactement. Donc on a trouvé l'idée de créer une association. Et après, on a réfléchi, il faut trouver le nom de l'association. On a dit pourquoi pas le Perles du Faso. Et c'est comme ça que c'est venu cette création et ce nom de cette association. Alors vous êtes présidé, vous êtes sur Liévin. Une association, si on veut éventuellement vous rejoindre, il y a une page Facebook pour avoir un peu plus d'informations sur cette association. Nous avons une page Facebook, un site internet, puis on a aussi le contact @lepersdufaso.com. Tout simplement. Voilà. Sinon, alors les manifestations, vous organisez des manifestations ici sur Liévin? Oui, on fait en général deux manifestations par an. On fait le repas dansant une fois par an. Et puis on fait aussi année 80 pour pouvoir récolter des fonds pour pouvoir venir en aide effectivement pour la population au Burkina Faso. Monsieur le maire, ça aussi, c'est un élan de générosité pour les Livénois et les Livénoises, pour les autres communes alentours, De solidarité, de générosité et quelque part aussi d'obligation. Je connais la Moudi maintenant depuis quelques années, elle fait un travail remarquable puisque ce qui est intéressant, c'est que chaque année, elle va vérifier sur place que ce qui a été bien donné soit bien utilisé. Et je dois vous dire que la ville de Liévin effectivement apporte une contribution sous forme de matériel, de mise à disposition de locaux, etc. Subvention également de fonctionnement, ce qui permet par la suite de pouvoir ensuite aller chercher quelques subventions au département, à l'agence de l'eau, etc. Je ne vous ai pas dit, mais ils ont permis dans ce pays du Burkina Faso, dans les zones les plus reculées, qu'il y ait de l'eau qui puisse arriver. Et vous savez que parfois on fait, pour certaines femmes, 5-10 km pour aller chercher de l'eau. Là où ça nous semble, nous, si naturel, on tourne un robinet, on a de l'eau. Là-bas, on fait 5-10 km, vous imaginez, et cela tous les jours. Donc voilà, c'est un devoir, je le dis pour nous. Nous sommes une terre, on le rappelle toujours, dans le décennier de générosité, de solidarité. Nous devons l'avoir vis-à-vis de l'Afrique, qui est, on le sait, demain, le continent de tous les défis. Et donc, si je le dis, chaque commune, quelque part, de France, d'Europe, du monde entier faisait cela, je pense qu'effectivement, on permettrait à ce continent de se développer et à sa population, je le pense, de pouvoir rester chez elle, là où elle souhaite rester, tout simplement. Monsieur le maire, beaucoup d'associations sur Liévin? Ah, c'est une des richesses de cette ville de Liévin, vous savez. Cette ville, elle est profondément généreuse, solidaire et humaine. Et pourquoi elle l'est? Parce que vous avez ici un tissu associatif de plus de 250 associations vivantes, actives. Et dans ces associations, vous retrouvez parfois quelques personnes, quelques dizaines ou parfois même quelques centaines de personnes, si je fais référence au grand club de football par exemple, ou à d'autres associations. Il y a qu'est-ce qui se déroule dans cette vie associative? C'est ce qu'on appelle effectivement le vivre ensemble. On met en application tous les jours le vivre ensemble. Et ce qui donne que dans cette ville, je le dis, une ambiance à caractère particulier, voilà, on s'y sent bien. Et les gens continuent effectivement à vivre ensemble et à s'apprécier.
Les Pères Bizassiaux vont participer cette année au Forum des associations. Oui, les Pères seront présentes. Donc je vous invite, si vous voulez découvrir plus d'associations, aussi connaître encore plus de détails sur les Pères Bizassiaux, de venir nous trouver au Forum des associations le 7 septembre prochain au Jardin public. Alors là, dernièrement, on a eu la chance de nous de participer à un élan de générosité. Il y a eu lieu la troisième édition des nettoyages de la ville avec Ville Propre un petit peu. On peut en savoir un peu plus? Bon, c'est une action citoyenne et de prévention également. C'est comme dans toutes les villes, il y a des gestes simples qui s'oublient. Garder son papier et le mettre dans sa poche, ou attendre la journée des encombrants pour sortir les encombrants de chez soi. Pour certains, ne pas jeter sur la voirie publique ses déchets de travaux, etc. Bref, et donc cette action, c'est une action où on a impliqué l'ensemble des enfants de Liévin scolarisés à Liévin sur les écoles primaires, où on a sollicité également l'ensemble de la population liévinoise au cours de deux journées, le vendredi et le samedi, et bien d'inciter effectivement la population, les jeunes comme les moins jeunes, que pour garder une ville propre, il n'y a pas que les services municipaux, il n'y a pas que Nicolas, il y a aussi nous qui sommes pleinement responsables de cela, et qu'effectivement, lorsque l'on a un papier, plutôt que de le jeter, eh bien on le met dans sa poche, et on trouve une poubelle ensuite pour le jeter. Voilà, c'est donc une action de prévention pour se dire qu'on peut faire beaucoup d'économies, et donc pour la ville de Liévin comme pour soi-même, si l'on fait ce geste simple, citoyen et civique. Eh bien nous, on a participé justement à cette journée d'action, et on revient. Ah oui, c'était ça, donc j'ai ramassé les papiers, voilà. Donc oui, c'est des moments importants de partage aussi, et puis je le répète, d'éducation quelque part, de réapprentissage, civique et citoyen, c'est important de le faire. Pour la prochaine édition, si on veut venir justement vous rejoindre, comment on doit faire? Il suffit de... Alors l'année prochaine, même date approximativement, effectivement, l'opération sera reconduite, puisque effectivement, ce sera l'année prochaine qu'ils vont finir la quatrième fois que nous ferons cette opération. Quatrième édition. Liévin, ville propre. Et on reviendra vous voir. Ben, j'espère bien. Bonjour, Aymeric. Ah, le micro est peut-être fermé. Non, il est en haut. On va reprendre. Bonjour. Attends, on va recommencer. Voilà, hein. Bonjour, Aymeric. Bonjour.
bonjour, merci de nous recevoir. Alors, merci d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de Ville. Aymeric Lemaire, vous êtes un des conseillers municipaux des jeunes. C'est bien ça, oui. Comment est venue cette idée d'intégrer justement le conseil municipal des jeunes? Alors, tout d'abord, peut-être revenir sur ce qu'est le conseil municipal des jeunes. Bien sûr. Nous sommes un groupe de jeunes qui avons été élus par la population jeune de Liévin, donc dans les collèges et les accueils de loisirs adolescents de la ville. Nous avons été élus d'une part pour représenter la jeunesse liéginoise dans les instances municipales, et d'autre part, nous avons été élus également pour la soutenance d'un projet à destination des jeunes et de la population en général. Mmh. Les actions que vous amenez justement avec le conseil municipal des jeunes? Alors le CNJ organise ces projets. Pour ma part, j'avais organisé en octobre 2017 un jeu de piste sur toute la ville, donc à la découverte du patrimoine culturel de la ville. Et cette opération était une opération caritative, puisque pour participer, les jeunes, la population, devaient apporter une denrée alimentaire afin de valider cette inscription. Et à la fin de la journée, toutes les denrées alimentaires étaient reversées au Resto du Cœur de Liévin. Vous êtes beaucoup à participer justement dans ce conseil, vous êtes nombreux? Alors nous étions initialement 20, avec obligatoirement la parité filles-garçons. Actuellement, nous sommes 15 membres du CNJ. C'est bien, monsieur le maire, d'avoir justement des jeunes déjà mis un pied dans l'étrier dans la vie de la vie commune. C'est fondamental parce que si vous n'intéressez pas les jeunes à la chose publique, la relève n'est pas assurée, donc elle ne sera pas là. On sait d'autant plus qu'effectivement on a beaucoup de mal à intéresser justement cette jeunesse à la chose publique. Donc c'est fondamental de l'impliquer dès le départ. C'est pour ça que nous avons souhaité avoir un conseil municipal jeune, mais pas simplement pour l'affichage, pour les faire travailler et pour nous donner des idées. Et c'est vrai que chacun de ces conseillers municipaux jeunes ont été élus sur un projet. Et ensuite, eh bien, ils ont pour fonction de mettre en place ce projet. Une grande partie d'entre eux, d'ailleurs, ont déjà mis en place ce projet. Et je pourrais vous le citer, d'ailleurs, on les fait participer à d'autres choses. Par exemple, ils ont participé grandement à ce qui va être d'ailleurs réalisé là prochainement dans les semaines qui viennent, un skatepark qui va être mis en place sur le quartier de Saint-Albert. L'idée vient d'eux, le lieu vient d'eux, le concept vient d'eux également. C'est-à-dire que, vous savez, à des jeunes, si on veut les intéresser, il faut les responsabiliser. Si vous les prenez simplement comme ça et que vous ne leur donnez pas quelque chose à faire, ils vont vite partir. Nous avons fait le choix inverse, c'est-à-dire que de leur dire ils sont élus, mais ils ne sont pas élus juste pour la photo, ils sont élus pour faire des choses, et donc on les responsabilise et on leur demande de réaliser. Et ils le font d'une manière remarquable, et on voit bien que depuis qu'ils sont élus, d'ailleurs ils sont encore 15 sur 20, ce qui est d'ailleurs tout à fait remarquable, parce que bien souvent on note une désaffection progressive. Là ils sont encore très nombreux, et je les en félicite, ils sont d'un secours précieux pour, on va dire, les grands du conseil municipal de Liévin. Alors là, on est le 24 mai, dans quelques jours, c'est déjà un peu l'effervescence. Vous allez organiser un festival de la jeunesse, c'est un peu ça? Donc oui, c'est la semaine de la jeunesse. Donc, la semaine de la jeunesse, donc qui se déroulera du 1er au 8 juin donc de cette année. Donc, comme son nom l'indique, c'est une semaine entièrement dédiée à la jeunesse, qui sera marquée chaque jour par différentes actions, donc encore une fois à destination des jeunes. Et sans oublier, bien évidemment, un événement que je dirais incontournable maintenant, c'est la Color Run, donc qui va inaugurer cette semaine de la jeunesse. Donc le top départ se fera ici, sur cette place Gambetta, dès 19h. Ok, si on veut s'inscrire éventuellement, on peut encore s'inscrire quelques jours bien sûr, du démarrage. Alors justement, on a deux propositions, deux choix qui s'offrent à nous. Tout d'abord, sur le site internet colorrun.liévin.fr, ou directement au service jeunesse qui se trouve juste derrière les grands bureaux à l'espace Roland Outhier. Là, nous avons été rendre visite aussi à la 45e édition, de traditionnelle édition de randonnée de la Goëlle. Formidable. Écoutez, ça a été d'autant plus formidable qu'ils ont battu tous les records de participation avec un temps, excusez-moi du terme, qui était pourri. Donc j'espère que la prochaine, bien évidemment, il y aura une nouvelle édition de cette randonnée de la Goëlle. J'espère que les prochaines, nous aurons un soleil comme celui-là. Et alors là, je pense que les records sont encore battus. C'est un formidable moment de randonnée sportive, ludique, on va dire, où à partir de Liévin, ensuite, on se rend sur tout ce que l'on peut appeler les collines de l'Artois, ces magnifiques espaces boisés, verdoyants, cette randonnée qui peut aller, si j'ai bon souvenir, de 7 jusqu'à 20 km, voilà, se fait en famille.
à son rythme simplement, avec une organisation extraordinaire des services des sports de la ville de Liévin. Et d'année en année, effectivement, eh bien, on bat les records de participation. C'est un grand moment, effectivement, là aussi, de convivialité et d'enfants. Eh bien, on va rencontrer justement Laurent Potier, responsable du service des sports de Liévin, et on revient avec nos amis de la Rando de la Goëlle.